Ok, bon Dieu bénit nous toutes. Jeudi à leçon nous, on a pour aller faire en continuité avec leçon, on était déjà commencé à apprendre, on a causé interpréter, comment mon interpréter, qui est ouais, mon fait dans interprétation, qui ça y a mon qu'a fait pour capable éviter ou faire une série d'erreurs dans le domaine interprétation. Les notés à regarder dans plusieurs histoires dans la Bible, donc ouais, interprétation qu'a fait moun fait dégâts, interprétation qu'a fait moun craser, briser, et puis là au fini, c'est le sauvin réaliser que ou pas t'es mérité pour t'écraser, briser, soit t'écraser, briser pour l'IA, l'IPAT vraiment ça, interprétation qu'on fait moun lever, courir. Pour yon bagay que yon pata doué lever courir pour lui. C'est ça, nous te wè. Bon Dieu te servi avec interprétation pour te délivrer peuple li. Comment? Te gagnon l'ennemi dans 2 Rois chapitre 7 qui te envahi territoire Israël dans Samarie pour empêcher moun yo sorti pour yo joindre manger, pour yo manger. Le bon Dieu délivre yo. Bon Dieu t'es servi avec science là, il y aurait les interprétations. Lui seulement fait mon yo tant de bruit, mon yo interpréter, mon yo penser. Bruit ça yo tant de c'est un bagaille tout bon, c'est un bagaille réel. Ça fait yo lever courir comme si dirait c'était un vrai l'armée qui t'est venu pour entraver yo. Et pourtant, ce n'est pas une vraie armée, ce n'est pas une armée tout bon, c'était une armée fantôme, c'était un bruit. Donc, ouais, yon l'ennemi qui gros nèg qui était encerclé en ville, yon levé courir pour être yon bruit. Yon pas courir pour bruit, mais yon courir pour. Yon pas courir pour bruit. Mais yo courir pour penser de réalité yo connaît qui gagne dans ça yo tendir. Donc c'est ça qui fait nous dire interprétation qu'a fait du bien li qu'a fait du mal, interprétation qu'a fait moun lever courir li qu'a fait moun courir pour bagaille qui pas la vérité. Dans Matthieu chapitre 14, nous te voyons sa interprétation fait. Interprétation te fait disciple, relé en moué, la peur envahit yo dans l'enmer, relé en moué, comme quoi dirait c'est loup garou qui vini pour venir manger yo. Et pourtant, qui moun qui te loup garou a, c'était le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui zanman monsieur yo kap vin joindre avec yo pour libérer yo en bas yon gros vent. Mais yo même le fait que yo pensé ces zombies, ces loups-garous, ces revenants, yo te mandé lever courir. Donc, les nous garder, nous voyons que l'interprétation joue un rôle très important dans la vie chaque monde. Bonne interprétation fait bon bagay rivé, mauvaise interprétation fait mauvais bagay rivé. Bonne interprétation fait ou agir bien, mauvaise interprétation fait ou agit mal. Donc, c'est à partir de ça, nous avons commencé à rentrer dans le domaine d'interprétation. Ça, et question qui t'est posée dit comment moun interpréter? Nous avons commencé avec Vini, avec plusieurs éléments de réponse sur comment moun interpréter. Comment moun interpréter? Parmi plusieurs éléments d'interprétation que nous avons bail, nous dit mon interprété d'après précédence historique, mon interprété d'après préférence pédagogique, mon interprété d'après prudence psychologique, mon interprété d'après influence théologique, mon interprété d'après influence diabolique, mon interprété d'après influence sociologique, mon interprété d'après influence génétique, mon interprété d'après connaissance scientifique. Donc, c'est une longue liste de une bonne façon, mon interprété, bagaille qui est à la base de pour qui ça, mon interprété, Jean Yo interprété. Donc, puisque nous avons couru sur plusieurs histoires
nan comment mon interprété d'après une précédence historique. Nous débord premièrement histoire Josué chapitre 22 côté peuple Israël là te comprendre mal yon bonne action, yon action préventive que tribu de Manassé, tribu de Gad et tribu sa yo, deux tribu et demi sa yo, eh bien yon bonne action yo te fait, yon action préventive. Mais parce que reste mon Israël yo te mal comprendre ça yo te fait, hein? Mal interpréter ça yo te fait, hein? Yo te prêt pour al goumen ak yo, pour tuer yo, pour yon bagay ki pa même mérité. Ou jwenn histoire ça dans Josué chapitre 22. Kon sa tou, nou te parle ou de 2 rois chapitre 7, kote le peuple a tapé soufri. Prophète bon Dieu a vini, li di d'après parole bon Dieu, demain matin ap gen manje pour grand messie nan portail Samarie. Eh bien officier du roi li même li te campé nan figure prophète là, li di même si bon Dieu mette bouche nan bagay la, bagay sa pa ka fèt. Donc monsieur te di bagay sa a partir de yon précédence historique. Li comprend sa prophète la di a, mais li connaît que sa prophète la di a pa ka fèt parce que l'el gade nan l'histoire, li pa konn wè yon bagay kon sa fèt. Nan Jean chapitre 1er, le premier monsieur disciple yo te rencontré avec Jésus, yo vin rencontré avec Nathanaël, Philippe spécialement, il dit Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, celui que yo parlé de lui dans les prophètes, Jésus de Nazareth. Nathanaël dit pas joie que bagay sérieux. Tout ça dit à la vérité, mais le fait qu'on dit Jésus de Nazareth, il pas qu'à Messie, Messie pas qu'à sorti Nazareth. Pour qui ça? Parce que tu as une histoire négative de Nazareth. Nazareth, c'est une petite ville, une petite ville, côté ces pêcheurs poissons seulement qui étaient là-dedans. Personne, pas de jambes, sorti Nazareth pour te devenir en grand tête. Donc ça veut dire bagay historique, c'est la mauvaise histoire que Nazareth gagne, hein? Fait que Nathanaël dit en rien de bon pas qu'a sorti dans pays Galilée dans Nazareth. Donc c'est comme ça nous te joignent plusieurs histoires de comment mon interprété d'après yon préférence historique. Maintenant yon l'autre façon dans l'islam nous bay là, yon l'autre mon interprété d'après préférence pédagogique. Ça veut dire. Dans Jean chapitre 6, le Seigneur Jésus fait un bel discours concernant lui-même, lui c'est le pain de vie, lui-même lui venu pour bailler la vie. L'elle venu à que causer lui venu pour bailler la vie ça. Et spécialement, Jésus t'est venu avec une question de li kabay la vie qui pa jam fini. Et puis kounye a, monsieur yo carrément dit Jésus ou plus que yon menteur, ou plus que yon blasphémateur. Dans Jean chapitre 8, dans verset 48 à 56, Jésus vini kounye a, li parle ouvertement pour le dire, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Monsieur, non seulement dit Jésus ou son menteur ou c'est un blasphémateur, mais il cherche Roche pour être capable de lapider parce que nèg ça a bail trop menti dans figu moun. Eh bien, c'est qui ça passe? Pour qui ça c'est comme ça monsieur t'a interprété ça Jésus dit? Pour qui ça c'est comme ça monsieur t'a interprété ça Jésus dit? C'est parce que il y a un vieux proverbe dans Luc chapitre 5 verset 39. Vieux proverbe si là lui-même lui dit comme ça: depuis un monde qui est habitué avec vieux du vin, l'elle joint avec un bon du vin, carrément lui dit vieux du vin hein, puis bon. C'est comme ça bagay la yé. N'importe monde qui est habitué avec un vieux bagay, on n'a pas précisément dit un vieux bagay.
n'importe moun qui habitué avec yon bagay ancien, eh bien, li toujours gen tendance pour li capable penser que bagay ancien ça l'habitué avec la bagay ça, eh bien, c'est li qui pi bon. Donc c'est ça qui fait monsieur tellement habitué avec yon ancien enseignement, yon enseignement selon lequel eh bien pas gagnon moun ki ka vive sans le pas mourir, yon enseignement selon lequel est-ce que gagnon moun sous la terre ki ka vive sans le pas mourir, c'est ça prophète que question prophète yo te qu'on a posé, yo pas te jamais joine réponse pou li. Malgré, avant même prophète yo te vin sur la terre, bon Dieu te déjà fait ouais que gen yon monsieur yo te rele Enoch qui te vive sans le pas mourir, gen même yon nan prophète yo eh bien qui te vive sans le pas mourir. Malgré ça, monsieur toujours a peut poser yon question, est-ce que gen yon moun ki ka vive sans li pas mourir? Maintenant, Jésus vini pour répondre question pour yo, mais yo dit carrément les nous garder tout ça nous te apprendre déjà concernant est-ce que yon moun ka vive sans le pas mourir, nous wè que a faire vivre sans yon moun pas mourir, c'est un bagage qui matériellement impossible. Donc yo dit éducation pour éducation, enseignement pour enseignement, pédagogie pour pédagogie, professeur pour professeur et leçon pour leçon, nous plutôt marcher avec leçon ancien grand monio, nous plutôt marcher avec enseignement de la tradition des anciens que nous vinn prend bagay ça nan men Jésus jodia. Et on dit ça nous t'es habitué avec là, c'est li nous t'es fin boue comme yon bon. Kounia li pas facile pour nous et ni nous pas décidé faire ça pour nous capable prendre yon lot enseignement qui contraire à ça nous te kon ap recevoir. Donc c'est ça, il y aurait les préférences pédagogiques, monsieur yo gen deux professeurs qui viennent enseigner yo, monsieur yo di yo, alors deux professeurs ça yo, yon te di yo depuis longtemps moun pa ka vive son pa mouri, yon lot vini pou vin parler de possibilité de pa mouri, monsieur yo di non pa ka kouri pran ti tonton si la ak ti leçon tout neuf la vini avec la, lorsque nou fait tout vi nou grand-parent nou yo fait tout vi yo avec enseignement moun pa ka pa mouri. C'est ça qui fait juge jodi a toujours ou capable remarquer que li pi facile nan bouche a yon prédicateur pour le capable parler de oui faut tout moun mouri, mais li pas facile pour tande possibilité pour yon moun pa mouri a, et pourtant dans la Bible yo tous les deux là gen un verset qui dit pa gen moun ki ka vive sans y pa mouri parce que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Gayon l'autre verset lui-même, lui dit comme ça, nous ne mourrons pas tous. Donc ouais, malgré de enseignement yo là, malgré de éducation yo là, mais léon moun a poil campé pour le parler, li pi facile pour l'appuyer ancien hein, parce que ancien hein, tout moun habitué avec, tout moun apprend le pi facile pour la vérité. Mais lè koun y a yon moun ta dwe vin parler de yon nouveau bagay, kwèm sou vle, ou gen pou redi an pil anvan pou moun pou an koze sa nan men, parce que c'est yon bagay tout neuf li vinye pou yon men. Donc c'est ça yon rele, eh bien, préférence pédagogique. Lè moun nan gen deux éducation devan, li penché sou yon nan yo et le penché sou ça le fait plus confiance là. Et Luc 5 verset 39 dit si la poi fait plus confiance là, c'est si la te pi habitué avec la, c'est ancien du vin hein, la poi le prend pour bon. Ça pa vle di c'est li ki pi bon non?
Mais le fait que c'est les grands-parents qui ont été vivre avec lui, lui-même c'est là dans le vin vivre tout. Donc naturellement, les gens bagaille qui fait le connaître, c'est ça qui est bon. Si ce n'est pas lui qui est bon, c'est pas comme ça bagaille là travailler. Grands-parents n'ont pas été dans l'erreur si c'est avec ça qu'ils ont été marcher. Ça veut dire, nous-mêmes tout, c'est avec bagaille ça pour nous capables. Marché. Donc, c'est ça y aurait les préférences pédagogiques dans le cas de l'affaire de l'enseignement. C'est comme ça, ça te y est pour mon yo. Le Jésus te vini annoncer yo. Eh bien, la nouvelle dans Jean 6, que oui, yo capable, bien possibilité pour yo vivre sans yo pas mourir. Qui ça nous t'a doué connaître dans préférence pédagogique si là? Comment mon interpréter d'après préférence pédagogique? Qui ça nous-mêmes nous capable faire pour nous pas faire erreur dans question d'interprétation pédagogique si là? Si interprétation dépend de sorte à apprendre, s'il dépend de nouveaux bagailles pour l'apprendre, et si l'on balance sorte à apprendre déjà avec son apprendre tout neuf, pour qui est-ce nan yo qui peut mériter confiance, qui est-ce pour appuyer sur lui, eh bien, naturellement, mon a toujours appuyé sur ancien, en sorte habitué avec lui. Mais ou connaît selon la Bible, c'est pas ancien qui pi bon non. Selon la Bible, sa bon Dieu dit qui bon, hein, c'est lui qui bon. Lors besoin analyser deux enseignements qui opposés, deux enseignements qui contraires, lors besoin mesurer dans enseignement que ou a recevoir, qui est-ce qui méritait confiance ou non? Besoin qu'on ait ça qui bon, hein? C'est ça bon Dieu dit qui bon. C'est ça qui fait, là qu'on y a, monsieur yote vini, yote tende Jésus parler de bagay ça, yote pour dire, ok, bon, d'après Hébreux chapitre 1er, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Bon Dieu te qu'on parlait par les prophètes. Qui étaient les prophètes? Des serviteurs de Dieu. Bon Dieu vini parler par Jésus. Qui moun Jésus est? Le Fils de Dieu. Donc parmi tous ces médiums de communication que bon Dieu utilisait pour le voyer message, ben nous, qui est-ce qui méritait plus confiance? Eh bien, dans la montagne de la transfiguration, les Jésus t'est campé sous mon nom et puis toi, monsieur disciple, t'es là ensemble avec elle. Quelque temps après, monsieur regardé, yo ouais Moïse avec Élie vinn campé bon côté Jésus, yon à droite, yon à gauche, et puis Pierre qui t'en couri dit ah maître, sort fait là son bon bagay. Côté nous y est là bon, n'a prêté la net, n'a bâti trois tikay. Yon pour Moïse, yon pour Élie, et puis nous même n'a pas fait ligueter, yon a va choisi yon maintenant chaque toi maître ça yo. Même côté a qui réponse monsieur te joindre. Bon Dieu, passe yon nuage nan 3 mètres sa yo a, et puis de l'autre yo éliminé, seul Jésus qui rete. Et puis kounye a, gen yon voix qui parle nan ciel là, la voix de Dieu qui dit, celui-ci, dernier sa, si la qui rete la, si lo we a, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc ça veut dire ouais, mais ça y aurait les préférences pédagogiques parmi tout le monde qui parlait fait préférence à la parole de Jésus. Leur besoin qu'on ait qui ça qui bon, ça qui bon, c'est pas ça qui était là avant, ça qui bon, c'est ça bon Dieu dit. Ça qui bon, c'est pas ça qui pi belle là, ça qui bon, c'est ça bon Dieu dit. Ça qui pi bon, c'est pas ça qui fort pi bien. Ça qui bon, c'est ça bon Dieu dit. Ça veut dire c'est bon Dieu qui détermine bonne mesure là, mais c'est pas Jean senti ou là, c'est pas ça yeux ou ba ou.
Là, nous parlons de préférence pédagogique. Là, nous parlons de l'organe de éducation devant. Pas vrai, ça qui pis bon, c'est ça, bon Dieu dit. Tandis que contrairement à la mode, le plus souvent, tout le monde a dit ça qui pis bon, c'est sa majorité a dit, hein, parce que la majorité emporte en français. Ça qui pis bon, c'est ça que tu es là avant. Hein, mais selon le concept biblique, là, ça qui pis bon, c'est ça, bon Dieu dit. Dans le jardin d'Éden, eh bien, bon Dieu te baille Adam et Ève une éducation biblique et spirituelle. Et selon éducation biblique et spirituelle, si là, eh bien, yo te connaît ça qui bien et ça qui mal. Mais comment bon Dieu te montre le bien et le mal? Bon Dieu te montre le bien et le mal par révélation. Ça veut dire, bon Dieu te fait yo connaît bien et mal. C'est ça, mot révélé, ça veut dire. Révélé veut dire faire connaître. Donc, bon Dieu te fait yo connaît ça qui bon avec ça qui mal, sans yo pas besoin goûter, sans yo pas besoin essayer, sans yo pas besoin expérimenter. Tandis que le diable lui-même vini avec une autre formation pour yo concernant le bien et le mal. Non seulement le diable vini enseigner le contraire de sa bon Dieu dit qui bien et le contraire de sa bon Dieu dit qui mal. Ça veut dire tout sa bon Dieu dit qui bon, Satan dit yo pas bon. Tout ça bon Dieu dit qui mal, Satan dit c'est l'équibon. Non seulement le balion éducation contraire, mais li pas seulement rete dans le domaine de révélation que bon Dieu lui-même l'était parlé au anon, li parlé avec une façon pour montrer que mais bon Dieu parlait avec moi, avec vous, moi-même, moi, tout yon bagay, semble meilleure façon pour t'avoir, ouais, si samedi, c'est vrai, mes fruits à la manger. Koto, ouais, fruits ça et là, les cas l'ouvrigeo, les cas ceci, les cas cela. Même côté, hein, Eve senti, peut-être, j'en yon décrit fruits à balé, hein, pas capable, bon. Jean yo parle le la fok son bon bagay liye, et puis la manje le. Donc, qui s'en nous vle dit par là? Ça qui bon, c'est ça bon Dieu dit. Bon Dieu te dit, Adam yé fouye a pas bon, fouye défendu a, Satan dit yo y bon, yo met manje le. Bon Dieu te dit, si yo mange poison, yap mouri, Satan dit yo met manje poison, yo pap ganyen. Et finalement, les yotés viennent manger le vrai, c'est qui s'est passé, s'il vous plaît? Eh bien, yoté vraiment gain problème. Yoté gain problème nudité, yoté gain problème pusillanimité, et yoté gain problème mortalité. Donc ça veut dire, vraiment, sa bon Dieu te dit, c'est lui qui était bon. Mais yo pas marché d'après enseignement, bon Dieu te baïoa, yoté plutôt marché d'après enseignement que le diable te baille. Donc nous-mêmes aujourd'hui, comment pour nous interpréter la question préférence pédagogique si là? Lorsque tu as un conflit expérimental entre Abraham et Sarah en ce qui concerne décision familiale qui te doit prendre, bon Dieu te fait Abraham promesse avec Sarah pour yon gen ti moun. Yo pensé que bon Dieu ka pa sou ça encore, yo pensé que bon Dieu ka pa gen moyen pour le faire ça encore. Yo dit bon Dieu promet nou ti moun, c'est vrai, mais moyen bon Dieu dit la passé a, bon Dieu pa konnen, c'est un moyen qui pa en service encore. Et puis yo dit puisque nou gen l'autre moyen là, on nous passer par l'autre moyen. Bon Dieu te fait Abraham konnen que c'est pas filiez entrail madame ni la bay ti moun. Sarah qui pas croit que bon Dieu ka passé dans route encore parce que route ça a fermé, ça gagne longtemps machine pas passé dans route ça encore, qu'on est à Sarah offrit Abraham pour l'al passer dans un petit route tout neuf. Un petit route qui fait fête, yo relé Agar. Abraham bien content pour faire ça. Est-ce qu'il te fait ça peut-être pas, non pas connaît.
Est-ce qu'il te fait ça pour plaire à sa femme? Nous pas connaît. En tout cas, même côté Sarah dit il fait ça, même les alalfel sans faire briquet, sans dire non, sans dire ou quoi c'est ça, lui fait ça vrai. Comme ça, Agar servante la vin enceinte et depuis le ça, qu'on y a vin gagnon politique en lankay la. Moun ki fait petit là si lik gen valeur c'est lik madame marié moun ki pa fait petit là ou pa gen trop valeur parce ça parce que ou pa ka bay petit nan kay la donc vin gen un gros politique et à la fin de toute bagay sa yo a eh bien les petit là vin fait mauvais politique toujours les petit là présenté finalement Sarah dit Abraham mette madame nan deyo avec toute petit là. Le madame nan tap voye Abraham nan fè petit la Abraham pa te di non tandis que kon Sara di Abraham mette madame nan dehors tout petit la Abraham di non pa gen loi passe m lord ou pa gen loi di m bagay comme ça m pa ka fin fè petit lò fini pou mande m pou mete petit dehors ou pa pwè bagay sa kras. Bon gen un conflit entre nan deux paroles sa yo la ki est ki la vérité. Eh bien, Abraham allait écouter bon Dieu vient lui parler dans question et puis bon Dieu dit "So wè madame on dit ou fait fait si li ki bon." Bon, finalement Abraham t'ai fait le vrai pour qui ça? Parce que l'elle t'allait côté mesure la dit qui ça qui bon. Donc si vous besoin connait qui ça qui bon, le wa point en décision, ça bon Dieu dit a, c'est li ki bon. Sou besoin konnen sa pou fè, lò rive nan yon situasyon kote lòt moun fèl tel fason, tel lòt moun fèl lòt fason, ou menm chèche fason bon Diye di a, ou mèt fèl fason bon Diye di a, paske sa bon Diye di a, se li bon. Donc, interprétation pa préférence pédagogique, li di kon sa ke lò rive devan deux enseignements, deux formations, c'est pas nécessairement ça qui pi ancien qui bon mais c'est ça bon Dieu dit. C'est pas nécessairement ça qui fait plus plaisir qui bon mais c'est ça bon Dieu lui-même lui dit. Puisque Adam et Ève t'ai trouvé au devant un conflit, bon Dieu dit un bagaille, Satan dit un l'autre, puisque Abraham t'ai trouvé le devant un conflit, madame ni dit un bagaille, les senti lui-même lui t'a fait un l'autre, conclusion c'est aller côté bon Dieu. Abraham t'a allé côté bon Dieu pour te connaître est-ce qu'il doit mettre petite là dehors ou non, tandis que Adam avec Ève yo même yo pas t'aller côté bon Dieu pour yo connaître qui dernière décision yo t'a doué prendre. Donc sou wè yon moun penser yon bagay telle façon pou ko kouri critiquer chercher connaître pour qui ça c'est comme ça le penser moun nan genwa di tel bagay tel moun di on causé puis ça moun nan di a c'est l'équipe bon. Pas tellement parce que le droit en faveur à moun nan qui fait le choisir ça, non. Il ka pi vite choisir ça moun nan diya parce que c'est sa maman le dit, c'est sa papa le dit, c'est sa ma tante le dit, c'est sa professeur l'école le dit. Donc, bien pis, c'est ça plusieurs côtés le passé, c'est ça yo te dit qui bon. Le li même li vin ap choisi, le li même li vin ap pense, li pense même Jean avec Jean moun yo majorité moun yo li te bon côté yo a te pensé. Donc c'est ça yo rele préférence pédagogique. Ou gen deux bagay à la disposition, ou gen deux enseignements qu'on ka accepté et pour bay préférence ou préférer sa apito parce que ou bay plus garantie parce qu'on fait le plus confiance. Et d'après Luc 5 verset 39, qui ça qui faut bay ancien en plus confiance, c'est parce que ancien on t'est habitué avec ou t'es senti que son bagay qui normal. Neuf la li ou pou ko konnen ou pa trop fè confiance passe ça. Mais pour pas tomber nan yon chou boum a ke koze, prend ancien parce que ancien pi bon, pa trop fè nouveau confiance.
confiance parce qu'on pas qu'on ça le capoter, eh bien, nous dit conclusion, interprétation ça, c'est pour mettre dans tête tout, ça bon Dieu dit ya, c'est lui qui pi bon. Quitte c'est lui qui ancien, quitte c'est lui qui nouveau. Ça le fils de Dieu dit ya, c'est sous lui pour bâtir la vie. Quitte c'est lui qui ancien, quitte c'est lui qui nouveau. Donc, c'est ça, il y aurait l'interprétation par précédence historique et interprétation par préférence pédagogique. Donc, pour aujourd'hui, c'est là qu'on a prêté avec une leçon nous sous affaire interprétation. Qu'on y a, nous pourrons seulement faire une conclusion à partir de Colossiens, chapitre 1er, que nous tapons et dit qu'est-ce que vous avez là-dedans pendant semaine. Qui ça qui dans Colossiens chapitre 1er qui gain rapport avec interprétation. Bagage qui gain dans Colossiens chapitre 1er qui gain rapport avec interprétation, c'est parce que je dis à couramment ou plus tendé mon a dit c'est l'homme nouillé, l'homme sujet à l'erreur, non pas parfait, depuis c'est l'homme mouillé, faut faire erreur, depuis c'est l'homme mouillé, faut faire péché, parce que c'est l'homme mouillé. Ça veut dire, ou plus tant de monde aller dans le sens d'interprétation négative, c'est là. Tandis que l'apôtre Paul, malgré toute l'autre façon dont on parlait, mais dans Colossiens, chapitre 1er, lui a pointé un langage vraiment positif, en ce sens que lui parlait une série de paroles, une série de mots qui vraiment méritaient attention. Non. Premièrement, dans verset que nous apprenons, lui dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Ouais, y a une question d'interprétation. Li fait qu'on est que yon moun ta doué fait effort pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Ça veut dire, si vous avez fait effort pour servir bon Dieu, pas mettre dans tête c'est seulement si m'agréable à Dieu nan yon bagay m pas agréable nan yon l'autre, si m fait 3 bagay que bon Dieu bat bravo pour lui, c'est normal si m fait 4 qui pas bon parce que c'est l'homme mieux. Non, ou ka mettre l'idée dans tête ou que m ka vive yon façon qui digne du Seigneur et moins ka arriver dans position côté m ka entièrement fait ça qui est bien devant mon Dieu. Ouais, parole ça a marché avec ça. Jésus lui-même te dit dans Matthieu 5 verset 48, là il dit soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Deuxièmement, l'apôtre Paul parlait encore dans même verset 10 et 11, dans même verset 13 et 14 que nous bon pour capable réfléchir sous lui pendant ce maintenant, il dit comme ça que pour nous capables fortifier à tous égards. Mot fortifier à tous égards là, comment pour capable comprendre, c'est comme si c'est un caillou qui a plusieurs portes d'entrée, et bien Paul dit où ta doué mettre sécurité dans toute porte. Où ta doué mettre clé bois dans toute porte. Ça veut dire si ou même ou se yon moun kap marche avec bon Dieu, ou gen plusieurs points forts, kon sa tou gen plusieurs points faibles, point fort yo ou bien sécurisé yo, mais point faible yo ou pas sécurisé yo, parce qu'on dit, ah, c'est l'homme nou yo, ou konnen l'homme sujet à ceci, cela, et pour pas occuper de yon certaine sécurité pour point faible yo, l'ennemi a attaqué yo. L'elfi n'attaque ou nan point fort li pas joint nou. Kon l'attaque ou nan point faible, c'est qui ça kap passe? L'ap joint nou, bien sûr. Et pour qui ça l'ap joint nou? L'ap joint nou parce que ou même ou se yon moun ki te limite sécurité ko ka mette nan kayo. Ou te kwè ko ka mette sécurité seulement nan point fort, mais ou pa te pense ni kwè ko ka mette sécurité nan point faible. Donc c'est ça qui fait l'apôtre Paul parler de possibilité pour nous ta va fortifier à tous égards.
mais fortifié à tous égards là, grâce à qui ça? Par qui moyen? Est-ce que c'est nous vraiment qui avons capacité pour nous fortifier à tous égards là? Il dit non, c'est par sa puissance glorieuse. Donc ça veut dire, bon Dieu gagne un bagage, livre mettre à disposition nous pour nous capables fortifier et cela à tous égards. Donc, ouais, question d'interprétation. Le fait que mon yo ouais majorité monde dans l'Ancien Testament, c'était tombé levé au fait, yo même yo seulement quoi que yo pas qu'à vivre une pi bon vie parce que tombé levé. Parce que mon ancien yo c'était tombé levé au t'a mené. Si mon ancien au t'a mené tombé levé, sans nous y nous même pour nous ta faire meilleur que yo même. Ça fait moun yo lagé yo nan tombe levé sans essayer faire aucun effort pour yo ta vinn meilleur parce que yo interprété possibilité pour yon moun marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable comme yon impossibilité le yo gade vie de tombe levé que moun longtemps yo tape fait. Donc, c'est ça qui fait nous dit wow, l'interprétation non bagay sa yo a li très important. Yon moun ki gen yon bonne interprétation des choses, eh bien wawè la fait plus effort dans la vie spirituelle passer yon lot ki gen yon mauvaise interprétation. Yon moun ki gen interprétation ki pense que c'est ça bon Dieu dit, c'est lui qui bon, c'est pas ça qui était là avant, c'est pas là qui était ancien. Moun sa gen doit faire pi bon commerce dans la vie spirituelle li passer yon lot ki pense que ça qui était là ancien, c'est lui non kembe. Donc on en fait effort pour nous wè si na gen yon façon de penser qui conforme à la Bible, conforme à la parole de Dieu, conforme à Jean bon Dieu mandé pour bagay la yé. Mais pas arrêté dans yon tradition, mais qui pas vraiment gain valeur selon la parole de Dieu. Ancien bon, mais c'est tout autant sa ancien dit à li marché avec sa bon Dieu li même li dit jodi. Sou joint ancien, bagay ancien qui marché avec sa bon Dieu dit, très bien, on met marché avec ancien. Mais si sa ancien dit à li contraire avec sa bon Dieu dit jodi a, en nous dit maman dit jeter sa ancien yo dit bam sa bon Dieu dit jodi a. Donc ouais, nous rete là pour leçon non et nous espérer que bon Dieu bénisse nous et va rencontrer encore yon l'autre pour yon l'autre possibilité de parler sur question d'interprétation. Mais pour moun ki la jodi a n'a pe ba yo chance pour yo capable poser eh bien quelques questions. Et si toutefois c'est ça yo vle fait avant nous aller pour jodi a. OK, n'importe monde qui gagne une question, yo capable poser ça jodi a avant nous aller. OK, n'attendez moun ki la. Bon moi. OK, tout moun ki gen question, mais commencez poser les questions kounyèr.
N'importe qui a une question, n'attendez-vous. Ok, semblait pas une question, malgré nous, il y a 13 personnes qui sont avec nous. Ok, qui t'aime garder un bagage pour moi. Ah bon. C'est ça qui arrive là. Sœur Péniel. Oui, parce que moi, la majorité de la bouche a été fermée. Maintenant, je vais ouvrir la bouche pour moi. Ok, qu'on est à m'attendre de tout le monde qui a des questions et vous voulez poser. Alors, oui, c'est. Bon, raison bah là, c'est une raison yo, mais en plus pense gain plus raison que ça. Pense gain plus raison que ça. Et le plus souvent, ou pas joindre yon monde supporter facile yon bagay que le pas quoi là-dedans. Parce que s'il pas vraiment sûr de lui, s'il pas vraiment quoi là-dedans, il pas poté tête là-dedans parce que c'est toute ville là pour le déposer sous lui. Yeah, justement, donc il pas courir vite dit comme ça. Deuxièmement, tant que ça t'est fait dans tant longtemps mon n'a pas parlé ça pour le pas perdre des amis. Vous comprenez, il y a un groupe de amis on connaît histoire ça déjà dans Jean chapitre 9. Les monsieur aveugle a été guéri. Eh bien, juif yo appelé de anye nèg la anye et puis mandé le ou comprendre comment il fait guérir nèg la dit comment guérir finalement à l'écho des parents li parents yo juif yo à l'écho des parents pour dire est-ce que nèg la dit non c'est Jésus guérir est-ce que c'est vrai comment il fait guérir mon yo dit bon et nous connaissons li guérir mais reste question li monsieur qui a 18 ans qui te le répond. Comment monsieur grandit monde qui te le répond et c'est pas parce que yo pas te ka répondre question non mais c'est parce que répondre question après mettre ou comprendre la vie religieuse a yo en danger. Vous comprendre donc pour qui ça pour yo répondre en question pour yon nèg qui ka répondre question les bio même pour y entraver tête a yo dit qui te nèg la faire affaire li. Donc ça veut dire ça capable yon nan raison. Mon nan gon groupe de zanmi il pa vle perdu, li gon bagay il vle conserver. Donc pour comprendre il résigne quitter ça. Non seulement c'est ça tout mon habitué avec, lui même il pas trop croire là-dedans. Pour comprendre la perte du zanmi pour lui, donc tout bagay ça il était un ancien. Si vous voulez comprendre ça, même bagay la gen moun qui paraît mais déloger même dans caillou, paraît mais ça même. Gen moun yo parin men kite yon zone. Depi yo la ancien nan zone nan, te met gon lot avantage en l'autre côté yo di avantage pou avantage pi to m rete la.
Parce que côté ma voix Léa, ma voix est venue tout neuf, ma voix est tout un petit monde, ma voix est ceci, ma voix est cela, et bien plutôt, il choisit pour le rester là. Donc c'est ça même, il y aurait les préférences pédagogiques là. Il balance l'aide de possibilités et puis l'appuyer sous yon pour telle ou telle raison donnée. Bon, au moins yon nou ta ka di spécial. Men deux bagay ki fèt nan chaque époque donnée, ou ta pi vite rele lon répétition. Yon bagay ki te fèt déjà et puis ki vin refèt encore. Deuxièmement, si moun nan rele le spécial, pou li menm li gen wa rele le spécial, men nan Hébreux 11, yo pa mete nan liste de bagay ki spécial. Dans Hébreux 11, vous mettez une liste de la foi. C'est par la foi que. Et c'est même c'est par la foi que, hein, c'est lui qui guérit malade, c'est lui qui ressuscite mort, c'est lui qui fait moun mourir, moun lever, moun pas mourir même, c'est lui qui fait, vous comprenez, moun gain victoire. C'est non liste de la foi. Vous mettez, vous ne mettez pas dans la liste spéciale. Vous comprenez, donc ça veut dire, moun nan dit spécial, nan façon parler. Mais là ou bien gardé, vous comprenez, yon au moins te cas spécial, mais on bagay qui fait deux fois à deux reprises dans deux lieux différents. Et en plus de ça, dans le Nouveau Testament qu'on y a, yon l'ouvri porte là, yon dit carrément, nous ne mourrons pas tous. Ou ta rentre là-dedans? Qui cause qui fait ça? Son façon pour moun nan montre, il pas responsable. C'est ça même, il connaît la parole, c'est vrai, mais c'est pas fort homme, mais pas responsable parce que c'est l'homme mieux. Ou pas qu'à critiquer. Ou comment son drame, moun nan cherché pour couvrir. Yes, son défense l'a cherché. Oui, ça veut dire qu'on est hypito metel dans le camp des paresseux. C'est ça qui fait le plus souvent. Ou pas pour les gens de monde comme ça, d'où la chair bien disposée, mais l'esprit est faible. Non, il y a tout seulement la chair est faible. Mais reste là qui peut t'aider au Kembea, il n'y a pas utilisé. Donc c'est comme si son monde qui était déjà, nous connaissons ça très bien en Haïti, son monde qui était déjà voulait faire un bagay qui mal, après ça, il fait spray là, il boit des coups de clairin pour l'aile faire un bagay là pour tout le monde dit c'est sous, il est sous. Et parfois, bah, bon, ou tête pas bon. Et pourtant, si tête ou pas bon comme ça, pour qui sa tête pas bon, parfois elle a la tête en bas machine.
Si c'est fou qui fait wap fè moun, so wap fè yo wa, mon cher, c'est pour fou a te fè l'on machine a passe beaucoup tôt, ou li yo ra le ko, c'est pour pote ko ou ba machine nan, laisse ou ta pour fou tout bon vwe. Donc ça vle di, so di a très bon, moun nan son avantage li besoin pran. Mais gen plusieurs versets dans la Bible, mais verset qui bay avantage pour le péché, ça qui il servi. Et ça qui fait les plusieurs, le plus souvent les moun rive devant tentation sexuelle, depuis yo tombe la don gen pour y a dou c'est David yo. Mais oublié si Joseph t'a résisté et Joseph ma mère m'a conçu dans le péché tout. C'est même ma mère qui t'a conçu Joseph dans le péché, c'est même ma mère qui conçu David dans le péché. Mais David tombé, Joseph résisté. À qui est la faute? À ma mère? Donc ça veut dire que c'est ça, Gongo a fait volonté dans ça. Ma mère m'a conçu dans le péché, c'est vrai, mais mon cher, où voulait ça ma mère voulait faire? Ok, mon yo, on a un dernier ou bien avant-dernière question, parce que n'a pas été là pour aujourd'hui. Hein? Yon avant-dernier ou bien une dernière question? Oui. Oui. Qui de nom? Oui, ça dépend de qui ça me tape dit. Est-ce que c'est deux noms de personnes ou bien?